depuis lundi dernier, nous observons un arrêt de travail pour nous réclamer qui ça, pour nous réclamer l'argent que l'État doit nous. Qui l'argent, c'est l'argent des frais de service ou bien des frais de fonctionnement que nous allouons à nous-mêmes pour nous, en tant que résidents 1, parce que nous-mêmes, nous sommes des résidents qui sont en formation, nous ne sommes pas des employés, mais cependant, nous sommes en formation, et ceci, c'est nous-mêmes qui avons fait tout le bagage dans l'hôpital. C'est nous-mêmes qui épindons à l'hôpital, c'est nous-mêmes qui avons fait l'hôpital la marcher. Mais cependant, nous n'avons pas un salaire, mais nous avons un frais de fonctionnement. Mais depuis 11 mois, nous n'avons pas un frais. Et tout ça, nous disons, c'est qu'il y a fait des démarches, et des démarches qui ne vont jamais aboutir à un. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas continuer à travailler pendant que nous ne pas gagner que nous recevons, ou bien nous ne pas bien, ou bien nous ne pas nous pas joindre ça nous besoin. Et c'est pour cela que nous campons jusqu'à ce que nous disons que ça y est. Campé de travail, il y a des services qui ont fonctionné. Il y a des services qui ont fonctionné avec des malades qui étaient là. Parce que les malades qui sont là, nous ne pouvons pas courir derrière eux, voir la carrière sans eux, pourquoi bien. Les services continuent à fonctionner et ceci nous permet de recevoir des urgences, des vraies urgences. Ça veut dire que les gens qui attendent, ça veut dire que les gens qui vivent à l'hôpital, là, nous ne pouvons pas quitter ou mourir. Nous recevons et nous avons des soins. Il y a des gens qui sont là qui ont des soins que nous sommes supposés recevoir. Après de ça, nous pas recevoir, nous pas faire nouvelle admission, nous pas recevoir aucune malade dans clinique externe, laboratoire pas fonctionner, tout bagage bloqué net. Devant nous, c'est que pour nous parler avec responsable direct nous, et ceci nous prend média ou bien nous prend la presse, nous dit ça, ça veut dire que bah, c'est quel que soit monde qui se pose au courant de ça, et il y a des suivis qui se posent fait. Problème yo, bon, et comme c'est des problèmes qui pas problème, parce que yo dit nous c'est des blocages, c'est des bagages administratifs, c'est des bagages que nous pensons t'as supposé qu'à résoudre que juste pour qu'on ait volonté pour faire ça. Normalement, t'as supposé bah nous, ami c'est pas un pile bagage non, c'est 12 600 gouttes qui par même 4 000 dollars américains par mois pour nous faire ça en affaire. Ça veut dire pour nous fonctionner, mais cependant nous pas jeune. Ça veut dire nous même nous juste faire effort, des efforts en plus que nous pas besoin à faire, nous juste faire et puis qu'on y a bon. Nous sommes en promotion résident 1, nous sommes en promotion qui est en spécialisation. Mais cependant, tout l'autre résident dans tout l'autre hôpital recevra ça. Okay? C'est seulement nous-mêmes dans l'hôpital là qui pouvons jeûner.